Bonjour chers amis, nous sommes en plein dans la paracha Pinchas, paracha très riche, une paracha qui nous parle de tout ce qui est la distribution de la terre, distribution de la terre d'Israël, la paracha qui nous parle des fêtes, on va en parler aussi aujourd'hui. Et on est en plein dans la période de 3 semaines dans laquelle on a le devoir d'apprendre les lois du temple, comme Yechezkel, le fameux discours que Yechezkel avait eu avec Dieu en disant à quoi ça sert d'apprendre les lois du temple si jamais si le temple est détruit. Et Dieu lui a dit par ça que vous allez apprendre les lois du temple, je vais considérer comme si vous êtes en train réellement de le reconstruire. De là l'importance que la Bible demande chaque année d'apprendre chaque jour les lois du temple. On va parler aussi à la fin. Aujourd'hui dans le cours, on va s'arrêter sur un dossier très intéressant, je pense, qui est comment se fait-il que le partage de la terre d'Israël a été fait par un goral, que ça veut dire par un tirage de sort. C'est quoi cette folie de vouloir partager ou faire des choses qui sont énormément importantes avec un tirage de sort? Apparemment, un tirage de sort, c'est pas quelque chose qui est logique. On dit qu'un tirage de sort, c'est plutôt fait pour les gens qui sont pas tête, qui ne peuvent pas réfléchir avec leur tête. Comment ça se fait que là, la Torah, elle vient et te dit « Ah, Begoral, et Chalek et Ta'ar, tu devras partager cette terre avec un tirage de sort. » Beaucoup de gens ont l'habitude de dire en général sur le Goral. Le Goral veut dire le sort. Puis de toute façon, ça c'est mon Goral. De toute façon, c'est mon sort. Dieu, il a fait en sorte que je vive avec quelqu'un de méchant. Dieu, il a fait en sorte que je n'ai pas de mazal. Ça, c'est comme ça que ça a été fixé de Dieu. Ou bien quelqu'un va dire ça c'est mon sort, c'est pour ça que j'ai trouvé cette affaire par hasard. Ou Dieu a décidé pour moi telle et telle chose, tu vois, je suis planté. C'est comme ça, bien ou mal, pas forcément du mal. Mais la question qui dérange, est-ce qu'on va voir aujourd'hui, comment se fait-il que Dieu, est-ce que Dieu d'abord il gère la planète avec un tirage de sort? Qu'est-ce que ça veut dire tirage de sort? Que Dieu te prend une boîte, te met un chapeau, quoi que ce soit, il te met des morceaux à l'intérieur et te dit pile ou face. Tu prends un tirage de sort et tu dis ça y est, toi tu passeras par la fenêtre et l'autre tu passeras par la porte. Quel rapport? Deuxièmement, l'idée du tirage de sort, c'est quelque chose qui est totalement aveugle. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Ça ne dépend pas de tes capacités. Imagine-toi que j'embauche quelqu'un sur un tirage de sort, je reçois 10 CV et je décide de tirer un papier au hasard sans regarder les qualités de la personne, qu'est-ce qu'il vaut ou pas. C'est quelque chose qui est plus attaché avec le hasard. Qu'avec quelque chose de professionnel, quelqu'un qui réfléchit dans la matière. Pas acheter une maison sur un tirage de sort, je fais un tirage de sort pour savoir si c'est cette maison ou cette maison. Je fais un tirage de sort pour savoir si je veux marier avec cette femme ou cette femme. C'est pas quelque chose de logique, d'accord? Les gens normaux, les gens professionnels, ils vont pas prendre des conseils où ils vont pas agir en fonction d'un tirage de sort. Ils vont se conseiller avec des professionnels dans la matière. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a décidé de faire un goral? Faire un goral, je veux dire un tirage de sort, si on pourrait expliquer comment ça s'est déroulé, en disant c'est comme ça que la terre sera partagée. Et là, on va passer aussi sur une idée des problèmes anarchiques. Tu veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que décision dure à prendre, est-ce que tu as parfois l'envie de vouloir faire un tirage de sort? Je ne sais pas quoi faire. Je joue pile face, je mets des morceaux, des mots dans un chapeau, je les tire aveuglement. Et ce que j'ai tiré, c'est ce que Dieu l'a décidé, qui t'a dit. Quand tu parles de la part du bon Dieu, est-ce que la halakha te permet de pouvoir agir en fonction de ce qu'on appelle un tirage au sort? Comme pourquoi on parle de ça cette semaine, la parasha de cette semaine, après 40 ans qu'on est dans le désert, on arrive au bord d'Israël, la terre promise. Et là, on commence à avoir le plus gros problème, si on peut dire, en la matière, à l'époque, qui était de départager cette terre entre les 12 tribus. Maintenant, il faut commencer à parler, comme on dit, business. C'est pas facile, il y a des millions de personnes qui sont là. À qui tu vas attribuer quoi? Qui tu vas décider qu'est-ce qu'ils vont habiter? Est-ce qu'il est proche à leur cœur Jérusalem? Proche au cœur du peuple juif? Qui va décider d'y habiter à côté de Kfar Shmaya ou Savion? Les endroits qui sont, on va dire, pour ceux qui sont plus avec des moyens financiers importants. Qui va habiter sur le bord de la mer, le bord de la plage? Qui va habiter dans les endroits où on a détecté les nouvelles sources de gaz en Israël? Et qui va habiter dans la périphérie? Qui va habiter dans les banlieues? Qui va habiter dans les territoires lointains de la terre d'Israël, qui va habiter dans le Negev, qui va habiter dans le sud. Et là vient Dieu et te dit quelque chose de spécial. Premier paragraphe, cette semaine, chapitre 26, Vaidaber Hashem Moshe Lemor. Dieu dit la phrase suivante,
Comment tu vas partager la terre en héritage? La rav t'amène à chalato, et la maat t'amène à chalato. Il y a ici une contradiction. Ou maalé à donner, effectivement. Au plus nombreux, tu vas lui donner la plus grande portion, ce qui est tout à fait logique, une famille nombreuse. Tu ne peux pas prendre à deux pièces à Tel Aviv, même si ça vaut le même argent que, je ne sais pas, dans quel endroit sur Terre où tu peux avoir un pavillon à 2000 mètres carrés pour le même prix. Ou en Seine-et-Marne, exactement. Comme des fois je demandais à des gens, j'avais une fois un juif qui est venu de Marseille, il avait un appartement de 70 mètres carrés, et il est venu habiter ici, dans un endroit pas loin d'ici, 2500 mètres carrés de terrain, avec une maison, etc. Je lui dis, mais tu t'imagines, quel est le travail, le jardin? Il me dit, écoute, pour le prix de mon appartement à Marseille, j'ai trouvé ici un terrain de 2500 mètres carrés, à 50 km de Ponton, en Seine-et-Marne. Ok, donc c'est exactement la même chose. Mais là, tu vois que Dieu te dit quelque chose de logique au départ. Qui est, pour le plus nombreux, tu donneras un plus grand morceau de terrain. Mais la mère, t'as mis ta chalato, et le moins nombreux, tu donneras un plus petit morceau de terrain, tout à fait normal. Ish, la fille Koudam, il t'a un chalato, deux mots, famille nombreuse, pas famille nombreuse, là on parle des tribus, d'accord ? Tribu à 20 000, une tribu à 100 000, c'est pas la même chose. Mais là, il y a la bombe que la Torah vient te dire. Arbegora, les chalaret arrête. Seulement la terre sera départagée avec un tirage au sort. Les Shemot, Matot, Avotam, Inchalou, en fonction des noms des tribus de leurs pères, deux mots, parce que les tribus étaient départagées par les pères, pas par les mères, Alpi Adoral, après le tirage au sort, Techalek Nachalato Ben Rav Lamerat, c'est comme ça que tu vas pouvoir départager comment on appelle ça, l'héritage, leur portion dans la terre d'Israël, entre une famille nombreuse et moins nombreuse. Les morceaux de terrain, c'est aussi ça, tu vois, attends, on va entrer dans les détails. Pas seulement l'endroit où va être la tribu, mais la grandeur du terrain aussi, tout. Viens Rashi. Rashi commence à nous expliquer ici de quoi on parle. Comment étaient départagés les morceaux de terre? Un goral aïa al pi ruach hakodesh. Le goral, tirage de sort, c'était le souffle divin. La prochaine fois, comme c'est écrit dans la Gemara Baba Batra, page 122a, que Elazar Kohen, le Elazar, le grand prêtre, il était habillé avec Urim et Thummim, ce pectoral qui avait dessus les 12 pierres précieuses, les noms des 12 tribus. Vorev Ruach HaKodesh, il disait avec le souffle divin. Im Shemet Ploni Olei, Trum Ploni Olei Mo. Si jamais il y a cette tribu qui monte, qui apparaît, ce terrain apparaîtra pour lui. D'accord ? On n'a pas fini. Les noms des 12 tribus étaient écrits sur 12 morceaux de papier. Il y avait 12 morceaux de terrain, 12 régions. 12 régions, voilà, 12 endroits. 12 endroits, 12 régions, comme tu vois aujourd'hui, la France divisée en 9 régions, je ne sais pas, en 12 parties. Oublalom et Kalpi, les mélangés. Le directeur, le président, le responsable de la tribu, mettait sa main à l'intérieur. Prenez deux morceaux, deux papiers. Prenez bien le patek el shem shifto, patek el voulam pour acheter. Prenez le morceau qui appartenait au nom de sa tribu. Et le morceau du territoire, du terrain qui était attribué à lui. Maintenant, le tirage de sort se criait et disait Ani Agoral, moi le tirage de sort, Aliti, les Gvoul Plouni, le Shemet Plouni, Shenema Pé Agoral. Parce que tu avais dit sur la bouche du Goral. C'est le Goral proclamé en disant voilà, tel morceau de terrain appartient à tel morceau de tribu. Comment ça se passait? Il dit que Elazar, le grand prêtre, demandait dans les pectorales, Orim et Toumim, et les lettres de la tribu, du nom de la tribu apparaissaient, Rouven, Shimon, Lévi, etc. Et pareil, apparaissaient les lettres du terrain spécifique qu'elle recevait. En deux mots, c'était surtout, par exemple, tu avais le Aleph, Bet, je ne sais pas, pour Rouven, tu avais le Resh, le Aleph, le Vav, le Bet et le Nun qui apparaissaient. Et après, tu avais, on va dire, je ne sais pas, Binyamin, pas Binyamin, disons Yerushalayim, un exemple, tu avais le Yud, le Resh, le Vav, le Shin, le Lamed, le Yud, le même, qui apparaissait, on disait, voilà, Rouven reçoit Yerushalayim, même si on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la chef de Binyamin nous a reçu toute cette partie de Yerushalayim, etc. Ok. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas seulement sur ça que c'était décidé. Et ça, c'était vraiment un dévoilement de la divinité, de la Shrina. Après, ça en faisait aussi un tirage au sort. Et Lazare, il sortait deux morceaux de papier, deux boîtes qu'il y avait devant lui. Et on ne va pas dire magicalement, bizarrement, mais par providence divine. C'était exactement, ça convenait, ce qui venait de sortir, ces deux morceaux de papier, de ce que le pectorat, de ce que le Rebbe Toumim avait déjà proclamé. C'est-à-dire ce que Dieu avait décidé par le Choshen, par le pectorat, c'est exactement ce qui sortait à l'arrière, on n'aurait pas besoin de faire ce jeu avec le papier. Rashi vient et te dit que le Goral lui-même parlait et disait les noms de ceux qui ont gagné le tirage de ça, c'est comme si tu dis aujourd'hui un jeu qui gagnait les millions, gagnait les... je sais pas quoi, etc. La question qui dérange est énorme.
Dieu n'a jamais, jusqu'à présent, utilisé un tel moyen pour décider quoi que ce soit pour le peuple juif. Pour décider d'abord Moshe, parce que c'est Moshe qui va libérer le peuple juif de l'Éternel. Est-ce que c'est la tribu de Lévi qui va aller être ceux qui vont être en charge du temple, etc. Il n'a pas demandé non plus de faire une guerre avec Amalek, faire un tirage au sort, faire une loterie, savoir si je fais la guerre ou pas. En général, l'idée du tirage au sort, c'est une idée qui est beaucoup prise, beaucoup plus pour des gens faibles. Des gens qui ne veulent pas réfléchir, ou des gens qui ne savent pas réfléchir, ou des gens qui ne sont pas intelligents, ils ne savent pas prendre des bonnes décisions, ils préfèrent mettre la faute ou mettre sur quelqu'un d'autre. D'accord ? Dieu ne va pas dire une chose pareille. D'où on sait ça ? Voilà quelqu'un qui lui-même a dit dans la Gemara, sa mère Rintashka en 3B, il a mis en doute l'idée du tirage au sort. Quand Yeshua a conquéri Jéricho, il avait demandé de ne pas prendre du butin qui allait sortir de cette conquête. Quelqu'un, il a transgressé la volonté de Dieu et il a pris pour lui un morceau de ce butin. Ainsi. À cause de ça, les gens ont commencé à mourir, il y a une grande épidémie qui s'est passée. Yeshua, il a décidé de faire un tirage au sort pour savoir qui est coupable. Le prof dans la classe, il vient et te fait un tirage au sort, il te dit « Qui a fait les bêtises ?» Je te fais un tirage au sort. Et le sort est sorti sur une personne qui s'appelait Akan Ben Karmi, que lui, il a pris ce qu'il fallait pas. Mais Akan, il est venu, il dit « Je suis pas d'accord. » Quelle personne logique met la faute sur quelqu'un sur un tirage au sort. Imagine-toi aujourd'hui, la police, elle attrape qu'il y a eu un vol dans le quartier, et il y a 10 personnes qui étaient dans la rue. Je veux dire, c'est pas ça, quel prof vous avez ? 100%. C'est pas parce que tu as fait un tirage au sort, tu as tiré mon nom, c'est moi qui est coupable. Et c'est ce que la morale dit. D'accord ? La malade, c'est l'énergie, la malade te dit ça. Page 43b. Alors, il y a pire que relâche d'un affaire à Gore, à Kahn, le tirage du sort est tombé sur Akan. Akan, il a dit à Yeshua, Yeshua, me gore à la tabalaï, tu viens me rendre coupable avec un tirage au sort. Il a dit à Tav, Elazar, toi et Elazar, Yeshua et Elazar, vous êtes les deux grands de la génération. Et Mani m'appelle à l'air comme Gore. Si je fais un tirage au sort entre vous deux, qui c'est qui a pris ? Bien sûr qu'il va tomber sur un de vous deux. Mais c'est trop facile de faire ça au moi. Pourquoi tu fais ça au moi ? Quel rapport avec moi maintenant ? Parce qu'il lui l'a fait sur tout le bas. Très bien. Amar le lui a dit, mais ma cache à Mikra, je t'en supplie, il lui a répondu. Al Totsilaz, Yeshua lui a répondu, ne dis pas des mauvaises paroles. Ne pas sortir un mauvais nom. Sur le tirage de sort, Shatidar et Israël et Trialak Bodoralot, de la manière comment la terre d'Israël va être divisée par ce tirage de sort. Mais la question qui dérange, comment se fait-il que parmi les choses les plus importantes qui sont passées dans l'histoire du peuple juif, on n'a jamais eu cette idée de tirage de sort. Tout d'un coup, ici, pour partager la terre, qui est la chose la plus importante, tout d'un coup, il y a un tirage de sort. La question est beaucoup plus grande. Pourquoi ? Parce qu'on voit comment la Torah elle-même, elle te donne ici un point important. Lève le téléphone. La Torah, elle te dit au départ du verset, qu'est-ce qu'elle te dit ? La raf tarben achalato ve la mat tamin achalato. Qui veut dire ? Que la Torah elle-même, elle te dit qu'il y a ici quelque chose de logique derrière l'idée de tirage, derrière le départage de la terre d'Israël. En deux mots, quelqu'un qui a une plus grande famille reçoit un plus grand terrain. Quelqu'un qui a une plus petite famille, on parle de tribu, bien sûr, grande tribu. Petite tribu, il y avait un plus petit terrain. Et là, j'ai été dit que pas seulement c'était en fonction de la qualité aussi des terrains. Comme l'a dit tout à l'heure, un appartement avec 3 pièces à Tel Aviv, ça vaut beaucoup plus cher que 7 pièces à Yerouchin, ou dans le sud, ou quoi que ce soit. Et donc, il y avait d'abord, on prenait aussi, oui, exactement, là aussi pour le Seir de la Zazel, mais ça c'était par rapport à un Corban, c'est par rapport à savoir quel Seir allait au Corban pour le peuple juif et quel dans la montagne, être jeté sur la montagne, etc. Mais ça n'a rien à voir avec départager ici les territoires pour tout le peuple juif. Donc automatiquement la Torah te dit qu'on prenait en considération le nombre de mètres que tu allais donner, que chaque famille devait recevoir. Pas seulement le nombre de mètres qu'elle devait recevoir, mais aussi où elle allait les recevoir, en fonction de cette tribu. Donc ça, c'est le début du verset, ce qui est tout à fait logique. Mais là, quand le deuxième verset vient, il te dit « Ah, Begoral, Yechalek et Aaret, Ben Rav la Meat », ça veut dire que c'était fait au hasard. Il n'y a pas ici quelque chose de logique en fonction des proportions de chaque tribu. Alors comment tu peux dire quel point commun il y a entre ces deux versets ? Est-ce que c'était fait en fonction de la grandeur de la tribu ou c'était fait par un Goral ? Est-ce que les 12 terrains qui devaient être donnés aux 12 tribus, elles avaient déjà, avant le tirage au sort, une superficie ? Bien sûr qu'il y a une superficie. Donc ça ne dépendait pas du nombre de tribus. C'est-à-dire que la superficie de l'endroit ne dépendait pas de la tribu. C'est-à-dire, si il y a une tribu, imagine, qui prend par exemple Jérusalem. Jérusalem, c'est tout petit, mais elle est très grande. Est-ce qu'on agrandissait l'endroit ou on la laissait telle qu'elle ? D'accord, c'est pour ça qu'on a dit que Dieu faisait ça par un tirage au sort. Okay. On va tout de suite, on va arriver à la fin. On a ici 3 commentaires. Rashi, Ramban, Abba Banel.
Rashi vient et te dit qu'au départ c'était fait de manière logique, et après ça, ça a été renforcé, solidé par le tirage au sort. Rashi te dit qu'une tribu qui avait beaucoup plus de nombre, la tribu de Yehuda qui était la plus grande par exemple, avait le plus grand nombre de population, avait le plus grand partage. Et même, pour répondre à ta question, même si ce n'était pas à chaque partie, il n'y avait pas ces 12 morceaux égaux, parce que tout était en fonction du nombre de la tribu, combien ils sont. Après ça, c'était décidé aussi par le Goral. Donc il y avait les deux mis en place. Viens Ramban Nachmanide qui est tout le temps opposé à Rashi, c'est ce que je vais revenir à Kif quand tu apprends le commentaire de la Torah, tu as toujours un et du blanc, l'autre et du noir. Ramban il vient, il dit je suis pas d'accord avec Rashi. Même si on sait que le Rabbi a toujours pris la défense de Rashi, dans l'idée parce qu'on se base sur le verset. Ramban il dit si c'est comme ça, le Goral il n'a rien fait. Et il te dit la Torah, tu dis Arbe Goral, ça veut dire que la Torah te dit que le tirage au sort c'est lui qui a décidé. Pas en fonction logique de la proportion, combien étaient nombreuses cette tribu ou cette tribu. Et c'est pour ça que Ramban il vient et te dit totalement à l'envers. Tout était décidé par un tirage au sort. C'est le tirage au sort qui a décidé combien va recevoir, quel terrain tu vas recevoir, dans quel endroit, si c'est un terrain cher ou un terrain pas cher. Et c'est seulement dans le terrain, une fois que la tribu a reçu ce morceau de terrain, que là on attribuait en fonction de la grandeur de chaque famille, ce qui est tout à fait logique. Mais le terrain et l'endroit étaient décidés totalement par tirage au sort. Mais c'est difficile à comprendre pourquoi. Parce que la Torah elle-même, c'est pas Rashi qui l'a inventé, que la Torah elle-même, elle te dit la Rav Tarbev la Mat Tamid, qui veut dire celui qui est le plus nombreux, tu lui donnais une plus grande partie, celui qui est le moins nombreux, tu lui donnais une plus petite partie. Après ça, la Torah elle te dit qu'on distribue les territoires en fonction du tirage au sort. D'après Ramban, on devrait dire que quoi ? Que depuis le départ, on a tout fait d'après un tirage au sort, et ce verset que la Torah elle dit que ça dépendait en fonction de celui qui était plus nombreux ou moins nombreux n'a pas de sens. Et on sait très bien qu'on doit toujours essayer, on doit comprendre que le Pshuto Hashem Mikra, le sens simple te dit. Ça c'est Rashi, c'est la raison de Rashi. Viens à Babanel, dans le Tzak à Babanel qui était le ministre des Finances en Espagne, très riche, et lui il vient et te dit comme quoi il y a ici tout un sens qu'il faut comprendre derrière ce tirage au sort. Tu dis d'abord, on a divisé les territoires en fonction de combien de familles il y avait dans chaque tribu. En fonction des familles qui venaient dans chaque tribu, c'est comme ça qu'on a divisé les territoires. Mais le tirage au sort a fixé quelque chose de beaucoup plus important. Où est supposé ce territoire ? Effectivement, disons que dans ta tribu, tu as 200 familles. Ça veut dire que si je te donne par famille 1 km, tu auras 200 km. Ça, c'était ce que la Torah te dit au départ. Plus grand, plus grand, plus petit, plus petit. Mais où se trouveront ces 200 km ? Est-ce qu'ils se feront en Champagne-Ardenne ? Est-ce qu'ils se feront en Seine-et-Marne ? Est-ce qu'ils se feront 200 km en Ile-de-France ? On va savoir en quel autre endroit, ou en Côte d'Azur, ou peu importe où. D'accord ? Et ça, c'est le Goral qui décidait. C'est pas la personne qui... Ça, c'est la Babanel. Non, qu'on a vu qu'au final, par où tu veux tourner, Rashi, Ramban, Nachmani et la Babanel, tout le monde te dit qu'on tournait autour du tirage au sort, tout dépend si c'était total, partiel, etc. La question qui dérange, comment ça se fait que la Torah, elle te dit que le départage de la terre d'Israël devait être fait par cette formule qui est apparemment le hasard. Si on ne croit pas dans le hasard, providence divine, etc. Viens, donne Yitzhak à Babanel et te donne une explication magnifique et très logique. Imagine-toi un instant que Moshe décide en disant « Toi, puisque je t'aime bien, je te donne Jérusalem. L'autre, je ne l'aime pas, je lui donne ailleurs. » Pas de quoi. Quoi Dieu ne l'aurait pas dit ? La tribu de Yehuda aura fait partie de là, la tribu de là. Dieu l'aurait dit depuis le départ. Attends, on va y arriver à ça. Pour l'instant, on ne parle pas de Dieu, on parle de la réalité. Si jamais Moshe aurait dit « Je donne ça à ça et l'autre à là. » La Babanel te dit que de chez l'autre, Tata Benajatim, il y aurait eu une dispute entre les tribus. Pourquoi tu as reçu un meilleur terrain que moi ? Pourquoi t'as reçu des terrains agricoles et moi j'ai reçu des terres qui sont que des pierres, j'ai rien à faire dedans ? Pourquoi t'as reçu un terrain constructif et moi j'ai pas reçu un terrain constructif ? Ce que t'es en train de me dire, c'est que comme Moshe l'avait dit auparavant que c'était Aaron, le pontife, etc. et ils ont eu Korah, ouais. Et que c'est uniquement grâce aux encensoirs que c'est celui qui a été accepté, celui de Aaron. Et en fait, c'est du hasard en fait, finalement. Parce qu'ils ont tous posé leur encensoir, il y a que celui de Aaron qui a été. On va y arriver. Au lieu d'éviter d'avoir ça, il l'a fait comme ça. On va y arriver. Néanmoins, si tu réponds juste que c'est pour éviter les querelles, éviter les disputes, ça rabaisse énormément l'idée de quel était ce cadeau que Dieu voulait donner au peuple juif, et ça rabaisse le lien que nous avons entre le sort. Ça c'est ce que la Babanel était dit pour éviter. Mais ça veut dire quoi ? C'est juste un problème technique ici ? Juste un problème de querelle ? Est-ce que ça s'arrête là ? Rien d'autre ? On est à un niveau tellement bas, on a affaire avec quelques idiots qui ne savent pas s'y prendre. Et pour ça, il faut que je fasse un tirage au sort. Mais on va dire que la Torah est beaucoup plus intelligente que ça. Et que le sort, le tirage au sort, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Aujourd'hui, on va voir une leçon merveilleuse que la Bible nous a enseignée. La Bible a répondu de ça, sur cette leçon, des centaines de fois. Elle a parlé sur cette idée.
Et c'est une des manières de visionner les choses dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous, surtout quand on a des doutes importants. Très riche. Avant, regardons d'abord le thème halakhique. D'abord, la halakha. Est-ce que j'ai le droit de décider quoi que ce soit en fonction d'un tirage au sort au pile ou face? D'accord? L'église au pile ou face, ça vient d'une ancienne pièce anglaise où d'un côté il y avait un olivier, de l'autre côté c'était écrit Palestine. C'était bien, c'était le nom détourné de la terre d'Israël, etc. Trois questions en Afrique. Première question. Pour quelqu'un, en perso, des fois tu as un doute, tu ne sais pas quoi faire. Prendre un nouveau job, changer de maison, se marier. La question est, est-ce que tu devrais faire un pile ou face pour savoir est-ce que je change ou je ne change pas? Est-ce que je marie ou je marie? On va y arriver, ça. C'est bon, d'accord. Deuxième question, parfois c'est une question qui peut être un tirage au sort qui concerne plusieurs personnes. Tu veux dire, tu as par exemple des orphelins qui se battent ou qui sont en concurrence sur qui va être le chazan aujourd'hui. Ou bien, tu as plusieurs personnes qui se battent pour avoir quel morceau de terrain ils vont acheter aujourd'hui en Israël pour pouvoir construire une tour ou quoi que ce soit. Prenons un troisième point à l'Afrique intéressant, qui est quand parfois il y a un danger pour un des deux côtés. En l'an 2000, il y avait le membre de la Knesset, Avraham Ravitz, qui a eu la nouvelle comme quoi, malheureusement, il est malade avec une maladie de rein très dure. Le seul moyen de survie, c'était de trouver un rein en urgence. Maintenant, on n'a pas trouvé dans la liste de tout ce qu'ils attendent pour avoir une greffe de rein, quelqu'un qui est compatible rapidement. On n'a pas trouvé quelqu'un qui pourra le sauver. Et donc, il y a eu un débat entre les membres de sa famille, sa femme et ses 12 enfants. Qui va pouvoir lui donner un rein? Le test qui a été fait, c'est que sa femme n'est pas compatible. Et donc, il a préféré le prendre de ses fils et pas de ses filles pour ne pas causer du tort à une grossesse future. Et donc, il s'est resté 5 garçons pour débattre qui va donner le rein à leur père. Chacun, il a dit qu'il a envie d'être celui qui va avoir le mérite de donner son rein à son père. Un, il a dit, moi, je suis le bechor. L'autre, il a dit, moi, je suis le premier qui s'occupe de la matière. Le troisième, il a dit, je suis jeune et je suis en bonne santé. Et la question, elle est-ce que dans un cas pareil, on peut faire un tirage au sort? Est-ce qu'un tirage de sort, c'est quelque chose de logique? Quatrième cas. Un cas qui est beaucoup plus, réel dans la vie de tous les jours. Alors, on va dire ça une fois, il y a une question qui lui a été demandée. Il y a eu des votes, des élections qui ont été faites pour un rav dans une ville, en Israël. Et les deux, ils ont eu exactement 50-50 des voix. C'est ce qu'on a décidé. Et donc, on a décidé de faire un tirage de sort. Et en fonction du tirage de sort, on décide de qui devient un nouveau rabbin de ville. Sur le père, non, il a dit, je ne suis pas d'accord, et puis ça a dû faire un tirage au sort. Basé sur quoi? Sur quel critère? Est-ce que peut-être parce que tu as tiré à l'autre? Est-ce que moi je suis plus intelligent que l'autre? Moi j'ai plus de mérite que l'autre? Pourquoi ça serait un tirage au sort? C'est une question très dure. Pourquoi? Parce que faire un tirage au sort entre hommes, elle peut, surtout quand tu parles d'un thème par exemple, devenir un rave de la vie, c'est pas un tirage au sort, c'est basé sur les capacités de la personne, les connaissances de la personne, l'expérience de la personne. Attends, t'es pile ou face, savoir si toi tu crois qu'il vient ou pas. Imagine-toi qu'on choisit un maire sur un tirage de sort, c'est un tirage de sort. Et là, on a une question qui est la plus haute dans les différentes catégories qu'on vient de voir, dans Jésus. Il y a 200 ans, il y a un bateau qui est sorti du port de Liverpool, en Angleterre, vers l'Amérique. Et malheureusement, à quelques temps, avant d'arriver à mon port, très loin du port, elle s'est cognée contre un glacier. Le bateau. Et il y avait là-bas un capitaine de bateau qui s'appelait Holmes. Il a décidé de prendre avec lui, il y avait une petite barque de sauvetage, un bateau de sauvetage, un bateau, c'était un grand croisière, etc. Et il a mis à l'intérieur 6 personnes du staff du bateau avec 22 voyageurs. Et c'était beaucoup plus lourd que qu'est-ce que la barque pouvait supporter. Et donc ils ont commencé à se débattre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rapidement, en attendant la barque, elle commence à s'enfoncer. Il y a l'eau qui rentre dans la barque, on risque de tous mourir, on risque de tous noyer. Et donc, c'est une question de vie ou de mort. Combien de personnes il faut jeter à la mer? Et si jamais on ne décide pas de jeter plusieurs personnes à la mer, tout le monde va se noyer. Donc, qui on jette? De qui on se débarrasse? D'accord? Paul Messier a décidé de d'abord se débarrasser de tous ceux qui sont célibataires et qui ne font pas partie du staff. Pourquoi? Parce que les gens du staff avec nous, ils pourront remonter sur le bateau. Pour essayer de sauver les autres, faire pas partie du staff, en deux mots, t'es inutile, tu sais rien. Et lui, il a décidé de commencer à jeter les célibataires à la mer. Ils sont arrivés en Amérique. Paul Messier a été coupable de tuerie. Et on l'a décidé, la peine capitale n'existait pas dans l'Amérique, d'être en prison à un certain moment avec des travaux forcés. Pourquoi? Parce que le juge a dit
Il aurait dû faire un tirage au sort et il aurait pas dû décider qui jetait à la mer de son propre, sa propre voie. Ah bah si, il a fait ça. Maintenant, on aurait dû dire qui est, de quel droit il aurait dû faire un tirage au sort. Absolument, puisque tout le monde a le même droit, puisqu'on est tous égaux, puisqu'on peut pas savoir quoi faire, c'est la logique, il aurait dû faire un tirage au sort, une seconde. Maintenant, ce qu'il a dit ce juge, ça nous rappelle ce qu'il écrit dans Tanakh avec Yona. Yona le prophète. La brassie c'était dans le bateau. Et le bateau, il y avait une tempête. Et le bateau allait s'endormir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un tirage au sort entre les gens du bateau. C'est ce qu'on dit qu'il faut. Chaque année, à Mincha, Mafti Yona. Et le nom de Yona est monté, comme si c'est celui qui fait la pagaille ici. C'est celui contre qui Dieu a été énervé. C'est le détail important. Maintenant, Yona lui-même a dit, moi en tant que prophète, je sais très bien que Béchelé a ça. C'est à cause de moi qu'il y a cette tempête. Et donc, on ne l'a pas jeté à la mer à cause du tirage au sort seulement. On l'a jeté à la mer parce que lui l'a reconnu. Il savait très bien, il parle à Dieu, il savait très bien que c'est sa faute. Et donc la question qui est-ce que justement le tirage au sort peut décider dans cette situation-là? C'est un dossier très lourd, c'est pas le cours d'aujourd'hui, on n'est pas en train d'apprendre un cours d'Alakha, ni pour trancher l'Alakha, mais néanmoins, on voit une lignée, et je veux dire une manière de penser, une vision qui est dans tous les pasquim, qui est dans tous les décisionnaires, avec les trois points suivants. Tout d'abord, tout le monde est d'accord sur le fait qu'un tirage au sort, c'est ce qu'on appelle une décision du ciel. Ce qui te paraît par hasard, c'est au final une manière de Dieu de pouvoir se montrer dans le monde. D'ailleurs, le mot en hasard en hébreu mikré, c'est, s'appelle aussi les lettres rachma. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachma, pardon, rachma Hashem, qui veut dire seulement de la bouche de Dieu, c'est pas quelque chose qui est par hasard. Même ce que les gens appellent le hasard, c'est Dieu qui décide. Rappelle-moi, c'est Nathan, on va rentrer une histoire. Deuxièmement, le tirage de sort dans la halakha est utilisé seulement en dernier recours. Donc tu ne peux rien faire d'autre, tu n'as aucun autre moyen de faire quoi que ce soit. Et troisièmement, c'est seulement quand le mérite et le sort de chacun, de tous ceux qui sont ici présents, est égal, et ils ont tous le même mérite, ils ont tous les efforts au même niveau. Et donc c'est juste un moyen technique qui va dire, qui va dévoiler qui va recevoir celui qui devrait réellement recevoir. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas décider avec un tirage de sort, là, avec mon parlant, ni quand c'est un problème entre la personne et soi-même. Tu veux dire... revenons sur les talents. Quand on reprend l'exemple des talents. Quand tu as un problème toi-même, analytiquement parlant, il n'y a aucun problème que tu fasses un tirage au sort en demandant à Dieu de t'envoyer le meilleur signe pour savoir quoi faire et comment faire. Deuxièmement, quand tu veux savoir comment se tenir, tu vas être hasard aujourd'hui, puisque tout le monde a exactement le même droit. Et donc, le tirage au sort va juste dévoiler qui va le faire concrètement. On parle ici du fait que tout le monde a le même droit. Troisièmement, quand on a vu tout à l'heure l'histoire des enfants qui savaient pour comment sauver leur père, la réalité elle est qu'ils ont tous le même droit, ils ont tous le même mérite, ils veulent tous faire la même mitzvah, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait. Et bizarrement, c'était le Bechor qui avait pris la place numéro 1. Et bizarrement, pour être là, pour les gens. Mais tu ne peux pas décider, dans tous les autres cas, par tirage au sort. Et par exemple, décider qui va devenir le nouveau rave de cette ville ou de cette communauté, ou bien qui on jette à la mer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ça. Décider qui va devenir le rave de la ville, c'est pas parce que tu as fait un tirage au sort que monsieur va devenir au corps ce soir. Et surtout qu'on n'a pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un, de se débarrasser de la vie de quelqu'un sur un tirage au sort. Ça, c'est différent. Alors, on ne va pas regarder dans les détails aujourd'hui, puisqu'on va voir la réponse que la ville a donnée en 1989, exactement 30 ans. La ville a parlé sur l'importance du Goral. L'importance du Goral. La Bible a fixé que d'un côté, on sait très bien qu'il y avait une coutume juive, depuis de nombreuses années qu'on prenait une décision, pas ça qu'on ouvre un livre. C'est quelque chose qui existe depuis tous les temps, qu'on ouvrait un fromage, qu'on ouvrait un livre et qu'on voyait le verset qui parlait, etc. De l'autre côté, c'est le dernier recours, une fois qu'on a déjà d'abord demandé, on a parlé avec des rabbinim, avec des docteurs pour des sujets de santé, avec des amis professionnels à la matière, quand on parle dans les affaires, etc. Là, on a la phrase qu'on a vue, dit ça en 89, tu l'as ici. Et d'où en Minag Israël s'est produit la coutume du peuple juif, depuis de longues années. Chayou Rotsim Nevarer Echlitnaïg, le Nyané Arishout, regarde bien ici les détails. Comment se comporter dans les sujets communs? Beignat Chelonit Parchara, Batora, que ce n'est pas dans quelque chose comme la Torah, tu dis qu'est-ce qu'il faut faire. Et pas commencer à remplacer la Halakha, remplacer la Torah, pas dans quelque chose. Est-ce que je vais en vacances dans tel endroit ou dans tel endroit? Un exemple. Ayou Varim Alpigoral, on avait l'habitude de faire un tirage de ça. Par exemple, Humor Liftoar Sefer Kadosh, on avait l'habitude d'ouvrir un livre saint, Fumash, etc. Ou Bumakom, je n'ai pas fait ça faire, dans l'endroit où s'est ouvert le livre, chez eux ou Bajgacha pratique. Et ça, c'est la providence divine. Motsim Siman, on essayait de trouver un signe
vers la cuisine marketing qui était venue à l'époque. Et comme ça, on savait comment se comporter. C'était quelque chose qui était courant à l'époque. Rabbi était venu en 1969. On parle ici qu'on a le droit de faire une chose pareille. En 69, Rabbi était dit ça. Quand tu as un doute équitable, tu veux dire qu'il est exactement 50-50. Kacher Mutsu Adrachim Acherot, qu'on a essayé tous les autres chemins, Alpi Torah, d'après la Torah, Véalpi Aïgayon, et d'après la logique. Et donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, ces personnes qui malheureusement aujourd'hui s'amusent avec le feu, de dire à quelqu'un, ouvre un livre, et vois ce que la Bible a écrit ici, ah, tu n'as pas d'opération, ah, tu n'as pas ta décision, tu as mis avec des jeux de vie ou de mort. Alors qu'on sait très bien que depuis 88, et avant, la Bible a clairement dit que quand quelqu'un a un problème de santé, il doit aller voir deux ou trois docteurs, amis professionnels en la matière, et pas en ouvrant un livre. Et quand tu as un problème dans le service de Dieu, va voir un rave, ton rave. Et quand tu as un problème dans les affaires, tu as le droit de te conseiller avec deux ou trois amis professionnels en la matière qui cherchent ton bien, pas qui cherchent leur bien. Donc on voit que cette idée du goal, cette idée de faire cette parenthèse qu'on a ouverte à la rapport à la halakha, toute cette idée du goal de décider avec un tirage au sort, c'est très complexe. Et donc si c'est comme ça, qu'est-ce que tu me prends la tête avec la paracha de cette semaine? Diviser cette terre d'Israël pour les deux tribus qui étaient le but principal. Pourquoi on est sorti d'Égypte, etc. Pourquoi l'avoir fait avec un tirage du sort? Est-ce que Dieu ne trouvait pas un meilleur moyen de pouvoir, de pouvoir convaincre? Peut-être qu'on a dit tout à l'heure que Dieu lui-même a qu'à dire Reuven dans tel terrain, Binyamin dans tel terrain, et l'histoire est terminée. Si Dieu veut, il peut le faire. Si Dieu veut, il peut le faire. Ok. Le Rabbi a choisi une histoire qu'il a racontée en Pourim 1962. Le Rabbi a parlé longuement à l'époque, dans ses fabriques, dans ses discours chassidiques sur le goral de la vie, le sort de la vie. Rabbi a raconté une fameuse histoire qui vient à Chassid Rabbi Yosef Mibishenkovitz, qui était un des grands Talmidei Chachamim qui tournait autour du Hanour HaZaken. Lui, il a avancé de poste en poste et il est devenu jusqu'à un rav très honorable et il cherchait la communauté qui allait l'accepter. Une fois, il a demandé au Hanour HaZaken où je dois chercher un poste pour devenir un rav, bon, en fonction de mes capacités et de mon expérience. Le Hanour HaZaken lui a répondu bizarrement. À son étonnement, alors il a dit, pour ta neshama, c'est beaucoup mieux que tu deviennes un carrossier. Que tu prennes des chevaux, tu deviens un taxi Uber de l'époque. Tu prends des chevaux, tu prends des carrosses, tu nettoies la boue, tu nettoies les excréments. Ça, c'est ton travail. Ça, c'est ce que Dieu a fixé pour ta neshama. Mais toi, que chacun de nous, Dieu nous avait dit clairement, qu'est-ce qu'est le devoir de notre neshama sur terre. Tu parles ici d'un chassid qui apprenait jour et nuit, qui devait maintenant mettre des bottes, et devenir un carrossier, comme ça, du café qui gère une caresse et des jours. Rabbi Yosef, il a essayé de. Il est abasourdi de ce qu'il vient d'entendre. C'est quoi ce malheur, ce décret qui vient tomber sur sa tête? C'est dit, nous, peut-être pour la prochaine, pour ma deuxième vie. C'est dit, il faut le faire, mais plus tard, pourquoi maintenant? Maintenant, je suis encore en pleine forme. Il passe encore 10 ans, et là, il a reçu une proposition de venir alors dans la ville de Nippel. Mais il s'est rappelé ce que Rabbi lui avait dit. Il s'est dit, tu sais quoi, tôt ou tard, je ne peux pas m'amuser avec ce que la Bible m'a dit. Il faut que je mette en application ce que la Bible m'a dit. Il faut que je le mette en place. Il a commencé à réfléchir pendant un mois à quoi faire. À la fin, il a dit, je vais devenir faire une formation. Je vais à l'enseignement, dans tous ces endroits, il y a des chevaux. Et je vais commencer à prendre une formation, comment devenir un carrossier, devenir un conducteur de chevaux. Et il rentre là-bas, tu vois, tu vois un vieux chassid, une barbe blanche, chapeau, surtout. À l'époque, tape à la porte, qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? J'ai envie de devenir un taxi. Taxi jaune. Taxi G7, taxi Uber, de chevaux. Il a commencé à lui dire, tu sais quoi, toi, tu vas pouvoir te débrouiller beaucoup plus rapidement à cachériser des vaisselles ou quoi que ce soit, en deux mots, un rôle de rave, que de commencer à travailler avec des chevaux. Ah, il a dit, tu sais quoi, j'ai tellement pitié sur toi parce que tu fais tellement de la peine, viens, je te montre le métier. Premier jour, et il lui dit, regarde, on va prendre cette huile avec laquelle on doit engraisser les roues pour pas qu'ils bloquent, etc. Comment on doit atteler les chevaux à la charrette, bref. Lui, c'était quelqu'un qui était tellement raffiné que dans sa vie, il n'a jamais fait des choses si grossières avec les mains pleines de boue et les odeurs et le bruit. Il s'était commencé à se salir. Un des joueurs a commencé à donner des coups de queue. Il s'est fait mal. Presque, il a rendu aveugle avec son œil. Il revient à la maison le soir chez sa femme. Il est brisé, il est fatigué. Et il commence à se noyer de toute la boue, etc. Sa femme commence à pleurer. Et elle a déjà entendu que ce que les voisins disent, que son mari est devenu complètement fou. Il a décidé de tout abandonner, la vie de Torah, etc., pour devenir un carrossier. Lui, il a dit à sa femme, c'est ce que l'Arabie m'a demandé de faire, si tu veux que je te fasse. Et elle a dit, si, c'est l'Arabie qui t'a demandé, je suis d'accord,
à discuter de la vie, pas à Dieu. C'est l'homme qui est entre Dieu et le peuple juif. Il sait ce qui est bien pour ton échéma, j'ai rien à dire. Elle a dit, si c'est comme ça, je vends mes bijoux, je vais t'acheter un cheval et une carrosse. Passe un an dans lequel il a changé sa vie, une reconversion. Et à la place d'apprendre la halakha, Shulchan Aruch, Chassidut, il est en train de huiler les roues tous les jours, et il amène des gens en taxi d'une ville à une autre, Un soir, il est assis dans un autre hôtel. Tout d'un coup, le patron d'hôtel, il vient le voir et il lui montre un juif qui travaillait chez un des paritsim, un des chefs de région à l'époque. Et il veut voyager avec lui le matin, il cherche un taxi, il cherche un Uber. Ça va bien, ça qu'il a décidé, il est d'accord de le prendre. Mais il a dit que je suis d'accord de le prendre seulement une fois que je finis ma prière le matin. Je suis un juif religieux, d'abord je fais la prière le matin, après je travaille. L'autre, il a dit, écoute, tu sais quoi, réveille-moi. Il s'est moqué de lui en lui disant, réveille-moi une heure avant que tu partes. Tant que je me prépare pour partir. Rabbi le Navi, cet homme, il entend des pleurs de la chambre qui est à côté de lui. Et il voit que ce Rabbi Yosef, il est assis par terre et il dit, tu comptes ça, t'es en train de pleurer. Minuit, à minuit de la nuit pour pleurer sur la destruction du temple, par la période de 3 semaines. Et ça l'a tellement brisé, ça a tellement fondu ce cœur de juif. Et le matin, il le voit en train de prier, talit, tfilin, et il se rappelle la maison dans laquelle il a grandi, son père qui priait comme ça. Il se rappelle hein, sa femme et ses enfants qu'il a abandonnés juifs. Et pour des rêves d'être devenu riche dans une grande ville, son cœur était totalement brisé. Il est parti voir ce Rabbi Yosef, il a dit, je te demande, montre-moi mes chemins, comment faire, tu vois. Ce Rabbi Yosef, il a pris chez l'Admour Emtsaï, le fils de l'Admour Zakhar, qu'il a énormément rapproché. Après ça, le Rabbi lui a dit, sache que maintenant ta mission en tant que carrossier s'est terminée, maintenant tu peux chercher un poste pour venir là, pour te racheter dans le monde. Le Rabbi a raconté cette histoire pour 1962. Tout ça juste pour une... Le Rabbi te l'explique en te disant, quelle leçon on apprend de cette histoire? On est arrivé sur Terre, sur cette planète, parce qu'on a une mission à faire. Le fait qu'on est sur cette planète et le fait qu'on est là, ça ne veut pas dire qu'on est là en trop, comme certains s'imaginent, et se demandent tous les jours qu'est-ce qu'il fait sur Terre. Mais ça veut dire justement que le monde ne peut pas se fonctionner sans ma présence. Quelqu'un, une personne, un homme ou une femme, a besoin de moi sur cette planète, a besoin de ma contribution, a besoin de mon action. Alors, après, chacun, bien sûr, a le devoir de chercher autour de lui et se dire qu'est-ce que je peux contribuer à la planète? Qu'est-ce que je suis monté dans l'entourage où je suis, à ma famille, à la communauté, si c'est à l'école où mes enfants se trouvent, à mon lieu de travail. Et si je peux contribuer, ça c'est le devoir que Dieu m'a donné dans ma mission sur Terre. Ça, c'est l'idée que la Bible explique. 91. Dernier discours que la Bible a montré à Pinchas. Ça, c'est l'idée derrière le départage des territoires par le Goral. C'est une allusion pour le rôle de la vie de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, Dieu l'a donné un morceau de terrain qui est le nôtre, dans lequel on va élever notre famille. Et de là, on va faire rayonner toute la région qui est autour de nous. Viens, la Torah te dit que ce lien qu'il y a entre la terre, le morceau de terre que la personne recevait, c'est un lien qui est alpiagoral. Qu'est-ce que ça veut dire alpiagoral? C'est plus haut que la logique. Il n'y a pas d'explication. Pourquoi tel chléa qui se trouve dans tel endroit? Et pourquoi tel chléa se trouve dans tel endroit? C'est un Goral. C'est Dieu qui a décidé. Tu dois comprendre et te dire un jour, c'est Dieu qui a décidé que cette personne se trouve dans cet endroit. Il n'y a pas de logique derrière. Le fait qu'on a telle ou telle mission, il n'y a aucune logique et aucune explication derrière. C'est ce que Dieu a décidé de mettre dans un Goral. Et ça, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le tikkun, que Dieu nous a réservé depuis le départ. Et l'idée derrière, elle est comme n'importe quelle bonne chose, pour pouvoir remplir la mission que nous avons sur Terre. On a parfois beaucoup de difficultés. Puisque cette mission a été choisie par un Goral, on n'a pas le droit de lever les bras. On n'a pas le droit de se demander pourquoi moi, pourquoi juste cet endroit, pourquoi je ne peux pas changer de mission à un autre endroit, pourquoi pas avoir un upgrade, comme dans l'avion, on te demande est-ce que tu vas avoir un surclassement. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu est attaché à cet endroit, ça veut dire que c'est l'endroit que Dieu t'a dédié sur Terre. La Bible a expliqué la question qu'on a vue dans la Megillah, qu'au moment le plus dur du décret entre Mordechai et Esther, il y a eu le fameux débat le plus lourd. Esther ne veut pas aller voir Ahasuerus, je dis qu'elle n'a pas été appelée depuis 30 jours, etc. Et Mordechai lui dit des mots qui sont jamais été entendus ailleurs. Mordechai dit à Esther, ne t'imagines pas que tu pourras t'enfuir de la maison du roi, parce que si jamais tu te tues, tu vas te taire, à ce moment-là, tu vas savoir qu'il y aura la liberté et le sauvetage pour tout le peuple juif partout où il se trouve. Et toi, la maison de ton père, vous allez être perdue. Et qui dit, qui sait, si ça, c'est pas toute la raison pour être devenue la femme du roi. Mordechai, clairement, il est en train de menacer Esther de mort. Et la question qu'il demandait, qui tu es pour tomber sur Esther? Pourquoi tu ne te mets pas à sa place pour essayer de comprendre ce qui se passe sur elle? Comment elle est en train de souffrir? Esther, c'est pas juste une femme capricieuse, une reine qui voulait faire du shopping à longueur de journée, elle risquait sa vie.
Elle parlait ici des missions en disant, qui dit que je vais réussir dans cette mission, c'est toi que je risque ma vie. Le roi ne m'a pas appelé au palais depuis 30 jours. Et d'après les lois du palais, je vais rentrer dans le palais comme je imagine aujourd'hui, tu vas voir la reine d'Angleterre quand tu veux, tu rentres sans permission. Et deuxièmement, il y a un argument beaucoup plus dur. D'après la vie de la Gemara, Esther était mariée à Mordechai. Et elle s'est dit que si jamais je vais aller de ma propre volonté pour aller vivre de manière maritale avec Achashverosh, je ne pourrais plus revivre avec Mordechai, qui est mon mari. Et donc elle dit, quand je vais perdre de deux côtés. J'aurais perdu de toi, j'aurais perdu de la maison de mon père. Donc comment Mordechai peut venir me menacer Esther en lui disant, si tu ne vas pas, t'es mort. Alors il a expliqué ça avec les mots que Mordechai a dit, ou miyodea, qui sait, tu veux dire. Mordechai n'a pas dit, je sais. Il a dit, qui sait. Mordechai dit, personne ne peut te répondre sur tes questions. C'est des questions logiques. C'est des questions dures. Et tu as le droit d'avoir ces questions. Pourquoi toi? Pourquoi de cette manière? Mais puisque tu as été choisi dans cette mission par un goral, par un tirage au sort, et pas par la logique, je n'ai pas de réponse pour répondre à tes questions. Ce qui est sûr, c'est que puisque c'est toi qui as été choisi, tu as la mission à faire, tu dois remplir cette mission. Le fait que tu es à cet endroit, à ce moment, ça veut dire que c'est ce que tu dois faire. C'est attaché avec toi, et tu ne veux pas le laisser pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il a mis le mot. Et si jamais tu ne vas pas le faire, toi et ta maison et la maison de tes parents seront totalement perdus. Pourquoi? Parce que c'est la raison même pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, tu n'as pas besoin de l'accomplir. Très bien. La question qui est posée au final, quand est-ce qu'à un moment j'ai le droit de lever les bras et dire stop, j'ai rempli ma mission, comme ce juif. Il a fait un an sa mission, c'était pour sauver un juif, après il est revenu à la norme, il est revenu normal. Quand est-ce qu'il y a le moment que quelqu'un il a le droit de désespérer et se dire stop, maintenant j'ai des vacances, maintenant je vais m'arrêter. Rabbi a expliqué ça avec une fameuse machloket, un fameux débat qu'il y a entre les Chachamim, à la fin de la Sechet Gittin, traité Gittin dans la Gemara. Les Chachamim débattent dans quel cas de figure un couple a le droit de divorcer. Quel est le moment dans lequel on peut décider en se disant, ça y est, c'est plus pour moi. J'ai tout essayé, je ne sais pas, c'est un discours, chaque année, il en parlait autour du 15 av. On dit que là, on cherchait, les filles de Jérusalem sortaient et cherchaient un couple, et cherchaient un partenaire. Et on sait qu'il y a trois avis. Mais bien, qui va te dire, si tu as trouvé une femme plus belle, tu vas divorcer. Ben, Tilel, il vient et te dit, si elle a brûlé ton plat, et bien, tu vas te dire, si elle a commis l'adultère ou quoi que ce soit. On ne rentre pas dans la halakha, ce n'est pas le sujet. Il y a énormément de cours sur ce sujet même dans la paracha qui t'étire, dans la paracha, sur l'application Etora. Il faut aller chercher, c'est la paracha qui t'étire, pardon. On peut le revoir sur l'application Etora, Etorah. Mais la Bible explique ça de manière chassidique, de manière profonde, que le débat qui est entre ces trois, c'est par rapport à la question que nous avons dans la vie de chacun d'entre nous. La question, elle est à quel moment quelqu'un a le droit d'abandonner l'endroit où il se trouve et dire, c'est pas pour moi. J'ai tout essayé, j'ai tout donné, zéro bijou. Ce terrain, c'est un terrain tordu, c'est un terrain qui ne marche pas. Rabbi Akiva a été dit, si tu trouves un meilleur travail, si tu trouves un endroit où tu auras plus de joie dans la vie, où tu seras beaucoup plus satisfait, bouge. Mais je l'ai dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de dire que j'ai trouvé un endroit où j'aurai plus de joie. Parce que là-bas, tu vas trouver la joie, tu vas trouver l'enthousiasme pendant un an, deux ans, trois ans. Et après un certain temps, tu vas te dire, stop, je n'ai plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il dit, Mathilde? Si le plat, il a brûlé, qui veut dire, si tu vois que tu ne réussis pas dans ta mission, là, tu dois changer. Tu es dans un endroit, ça ne réussit pas, ça ne marche pas, tu ne peux rien faire. Là, tu dois changer. Le Tchama, il dit non, je ne suis pas d'accord. Il faut monter le cran. Si tu as trouvé un adultère ou quoi que ce que tu veux dire, si jamais en étant dans cet endroit, tu commences à faire des choses qui sont contre la halakha, tu veux dire que tu ne peux pas respecter la halakha en étant dans cet endroit, là, tu dois partir. C'est un danger. Je veux d'abord attirer dans un endroit où je vais faire les choses qui sont interdites après la halakha. Mais si tu peux, tu n'as pas besoin de partir. Rabbi, il dit c'est quoi la halakha? La halakha, elle est tranchée comme tu l'es. Que seulement quand quelqu'un ne réussit pas dans sa mission, ça veut dire qu'il a failli dans sa mission, il n'a pas réussi. Automatiquement, il peut partir. Mais sinon, il doit continuer, même s'il a trouvé une plus belle qu'elle. Alors, c'est connu que les paroles de la Gemara te disent que celui qui divorce de sa première femme, le temps pleure sur lui. Mais là, alors, il te dit, puisqu'on parle d'un sujet qui est par rapport à la vie de chacun d'entre nous, il faut être beaucoup plus rigoureux qu'un Beit Shammai, qui veut dire, il ne faut pas se précipiter pour changer de vie. Pas précipiter pour changer de mission sur Terre. Pas prendre sur un clin d'œil et surtout pas sur un tirage au sort ou sur ouvrir un livre, pile ou face, je fais telle ou telle chose. Maintenant, il y a un autre point qui est important de rappeler, ça on termine aujourd'hui, qui est-ce que les capacités d'une personne sont en adéquation avec l'endroit où il se trouve. Ça veut dire que ça aussi c'est ta mission. Tu as quelqu'un qui peut-être qu'il a d'énormes capacités, mais s'il serait venu sur ce territoire, il n'aurait rien fait. T'as quelqu'un qui a peu de capacité, automatiquement il peut être sur tel endroit. D'où on apprend ça de Esther. Enfin, Esther, elle a dit,
puisqu'elle est arrivée à trouver grâce aux yeux du roi, la seule parmi toutes les filles qui étaient présentées. C'était la raison que Dieu cherchait telle personne pour remplir telle mission. Elle avait été dit que de l'autre côté, il y a quelque chose d'aussi important à prendre en compte. Quand quelqu'un voit qu'il a beaucoup de difficultés pour remplir sa mission, ça veut dire que c'est l'endroit qu'il a choisi pour lui. D'où tu sais que ça, c'est la mission que tu dois faire, peut-être des difficultés. Quand tout va facile, pas forcément c'est ton endroit. Pourquoi? Parce que d'abord, le point, l'endroit où tu te trouves, c'est l'endroit qui témoigne que toi tu es apte en fonction de tes capacités. Mais parfois tu as tellement de difficultés. Et parfois tu ne sais pas comment les expliquer. Ça même, c'est le signe du ciel que c'est l'endroit qui t'a été attribué sur lequel tu dois travailler. Regarde ce que la Bible écrit dans la fameuse lettre 1257 dans les Grottes Kodesh. Un couple qui avait des problèmes de Shalom Bayit. Et la Bible écrit comme ça. Superficiellement, tout va bien. Mais profondément, les choses ne sont pas comme il faut. Je t'ai déjà écrit que dans ça même, tu dois mettre énormément d'efforts. Parce que parfois, le fait qu'il y a tellement de difficultés, ça montre que ça, c'était Birurim. Ça, c'est la partie que Dieu t'a réservée sur toi pour pouvoir réparer et pouvoir avancer. Et comme les Chachamim nous disent, la Rizal écrit que les Neshamot de notre génération, ils étaient déjà dans ce monde. Et ils sont venus ici, une réincarnation du passé, pour compléter ce qu'ils ont manqué dans les 613 commandements précédemment. Et dans les sujets qu'ils ont commandé, ils ont évité précédemment. Le mauvais penchant fait tout ce qu'il peut pour empêcher de remplir leur mission dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Viens la Borazakan, il termine dans le Tania chapitre 37. Et ça, une fois qu'on aura terminé tout ce qu'on a à faire sur terre, on mettra la Géoula. Comme la Bible a dit que puisqu'on a déjà tout terminé notre travail, on mérite la délivrance. Que Dieu fasse qu'avant la fin des 3 semaines, on puisse se revoir avec ma chère et la reconstruction du troisième temple. Et donc ces 3 semaines se transformeront en jour de joie, en jour d'allégresse, en jour de bonheur. Le Tisha B'Av, qui cette année c'est déjà un jour de joie et un jour de bonheur puisque ça tombe Shabbat. Que le jour de jeûne soit totalement repoussé avec la venue de ma chère. Le cours sera replay sur l'application E-Torah. E-T-O-R-A-A et sur Google et Apple, ainsi qu'une dizaine de cours sur les 3 semaines. Téléchargez, partagez, likez, profitez. Que Dieu vous bénisse et ne pas s'émouvoir de la chaleur, même si on pense qu'on est à Dubaï aujourd'hui. Il fait 42 ici en Seine-et-Marne. Dieu a créé la clim et surtout se dire que c'est passager. Le plus important, c'est de continuer à avancer dans la Torah et les mitzvot. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.